Danse avec les stars, un duo éliminé sans ni émotion, un candidat blessé parmi les finalistes. Vendredi 4 novembre, la compétition Danse avec les stars se poursuivait sur TF1. Toujours en direct, Camille Combal a présenté un prime des plus importants puisqu'il devait déterminer quel couple se qualifierait pour la grande finale. Ils étaient encore quatre candidats en lice après l'élimination de Léa et lui la semaine passée. À savoir Thomas Dacosta, Stéphane Legard, Billy Crawford et Carla Lazari. En plus de devoir convaincre les juges Chris Marc, Bilal Hassani, François Allu et Marie-Agnès Gillot. Les demi-finalistes devaient également relever le défi de Matt Pokora, vainqueur de la première saison de la compétition de danse. Il a fait son grand retour sur le parquet et a renoué avec sa partenaire de l'époque Katrina Patchett pour assurer son rôle de coach particulier. Le jeune papa de deux garçons, Izzy né en 2020 et Kenna né en 2021 issu de sa relation avec la chanteuse américaine Christina Milian, les a en effet aidés à réaliser quatre figures qu'il a lui-même effectuées durant son année. « Je ne suis pas là pour juger, je suis là juste vraiment pour vous accompagner. Pour vous donner la force. Je sais que là ça commence à être dur, on est dans les semaines où c'est dur psychologiquement. Physiquement, donc je suis là pour vous donner un peu de mon énergie toute fraîche. Avec un peu de mon expérience et je suis heureux de retrouver ma partenaire Katrina Patchett », a-t-il expliqué en vidéo. Carla Lazari et Pierre Mauduit ont dansé sur Crazy in Love de Beyoncé et ont obtenu la note de 35 points. Pour la deuxième danse, ils ont réalisé un quick step. Résultat, 32 points. Thomas Dacosta et Elsa Bois ont réalisé une danse contemporaine et ont eu 31 points. Billy Crawford et Fovoto, sur un pasodoble ont obtenu 39 points. Puis, sur une rumba ils ont eu 35 points. Stéphane Legard et Kelly Songoadoué ont réalisé une rumba et ont eu 33 points. Ensuite, sur un pasodoble, ils ont eu 32 points. Billy Crawford et Fovoto ont obtenu les meilleures notes. Ils sont donc les premiers finalistes de la saison. Les trois autres duos allaient directement en face à face. Le public a ensuite fait son choix. Carla Lazari et Pierre Mauduit sont sauvés. C'est ensuite aux jurés de choisir qui sauver. Ils ont voulu sauver Stéphane Legard et Kelly Songoadoué mais François Allu par correction a décidé de donner son vote à Thomas Dacosta et Elsa Bois. Côté audience, TF1 est arrivé deuxième derrière Tropique Criminel, France 2, comme l'indique Pure Média. Comme l'émission a diverti, jusqu'à 22h58, 2,53 millions de téléspectateurs. Soit 13,4% de part d'audience sur l'ensemble du public. Au terme de la soirée, le comédien Thomas Dacosta a été éliminé. Les trois finalistes sont donc Stéphane Legard, Carla et Billy Crawford. Il y a 7 jours, le show avait fait rêver 2,35 millions de téléspectateurs. 12,6% de l'ensemble du public et 25,7% des FRD à 50.